Ohé, dehors! J'ai une annonce à faire. Je suis le maître Jedi Somilik Timms. Sortez un instant, cher ami, qu'on puisse discuter. Bien essayé, mais je ressens votre nature. Je sais que vous êtes Sith. Je sais même qui vous êtes. Il y a plusieurs années de ça, j'étais le padawan de maître Nomenkar. Lui et moi, nous sommes forgés un lien grâce à la Force. Je suis au courant de votre combat contre maître Kar et de ce que vous lui avez fait. Votre maître m'a supplié comme un lâche, et il est mort comme un chien. Maître Kar a cédé au côté obscur, je sais. C'est difficile d'imaginer un Jedi aussi fort réduit à une telle condition. Depuis que vous avez vaincu Kar et enlevé Jessa Wilsam, le Conseil Jedi vous garde à l'œil. Nous savons que vous n'êtes plus dans le camp de Dark Barras, et que vous êtes ici pour empêcher Seigneur Melikost de libérer Dark Ekage. Je suis ravi de voir que les Jedi n'avancent pas toujours dans l'obscurité. Vous finirez par comprendre que nous ne sommes pas aussi demeurés que le laissait entendre votre ancien maître. Vous êtes dans une impasse, Sith. Pour trouver Seigneur Melikost, vous devrez obtenir les informations stockées dans les ordinateurs de la pièce. Mais la porte est soudée. Je suis là pour les mêmes raisons que vous. J'ai les infos, mais le commando de Seigneur Melikost m'a enfermé là-dedans. Piégé par un simple commando, ce n'est pas votre jour de gloire. Oh, pas sûr. Ils étaient relativement nombreux et j'ai réussi à tenir bon. En combinant nos forces, on pourrait briser la protection en attaquant la porte des deux côtés à la fois. Le problème, c'est qu'ils ont prévu le coup avec un champ magnétique. Mais si jamais vous pouviez vous charger de le désactiver... Je n'aime pas les pauses théâtrales. Ce bâtiment est alimenté par plusieurs centrales énergétiques. Détruisez-les, et le champ magnétique ne posera plus de problème. Ensuite, on pourra, vous et moi, franchir cette porte, et vous aurez accès au rapport des prisonniers. Je veux d'abord vous voir mourir. Si vous croyez pouvoir perdre du temps à me combattre, à vous de voir. Explorez les environs et détruisez les centrales énergétiques. Ensuite, revenez et attaquez-vous à la porte. Elle finira par céder. Je vous attends. D'ailleurs, je ne risque pas d'aller bien loin. Me revoilà, Jedi. Les centrales énergétiques sont détruites. Super. Maintenant que le champ magnétique est hors service, nous devrions pouvoir défoncer la porte. À 3. 1. 2. 3. Bien joué, Sith. Mais, une petite minute. Tu es Jessa Wilsam, c'est bien ça? Je l'étais autrefois. Tu n'as aucun remords, ma petite? À faire équipe avec cette crapule? Absolument pas, Jedi. Surtout quand j'ai l'occasion de tuer les vermines dans votre genre. Une fille comme je les aime. Oui, vous formez un très beau duo. Bon, avant que vous ne songiez à m'attaquer, Sith, je vous suggère de jeter un coup d'œil à ces ordinateurs. On dirait qu'ils ont connu des jours meilleurs. Ils fument encore. Vous signez votre arrêt de mort. Gardez votre calme. Je l'ai fait pour qu'aucun autre partisan de Dark Barras ne puisse les consulter. Enfin, après que vous et moi ayons arrêté Seigneur Melikost. À présent, je suis le seul à savoir où aller. Nous partageons le même objectif, bien que nos raisons divergent. Je propose que nous fassions équipe. Dites-moi où est la cellule de Dark Ekage, qu'on puisse se séparer. Désolé. Rien ne me dit que vous ne m'attaquerez pas une fois que vous saurez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons à la base prison. Je garderai secret l'emplacement de la cellule où Dark Ekage est enfermé. En gage de confiance, je vous indique où se trouvent ces assassins. Faites en sorte qu'ils restent enfermés pendant que je trouve l'accès à la base prison. Ou alors, vous vous occupez des assassins pendant que moi j'accède au prochain secteur. Non, car vous serez plus à l'aise que moi face à vos amis les Sith. Vous pourrez peut-être convaincre les assassins d'abandonner sans combattre. Alors que moi, ça m'étonnerait. Voilà les coordonnées. Contactez-moi par holo quand vous aurez fini. Nous irons affronter les Dark ensemble. Nous ne serons pas trop de deux.
Ainsi t'approche, je ressens de l'hostilité. On a fini par flairer votre piste impériale. Messieurs, chargez et visez. On a de la visite. Ne tirez pas, impérial. Je veux connaître les intentions de notre invité. Je tiens mes ordres de la plus haute hiérarchie. Je suis la furie de l'empereur. La vérité résonne dans vos paroles. Je peux le sentir. Pourtant, je sens de l'hostilité envers ma maîtresse, Dark Ekage. Votre maîtresse et son frère, Baras, ont ouvertement provoqué l'empereur. Ils doivent mourir, eux et leurs partisans. Alors, j'annule mon alliance avec ces criminels. Mes frères infiltrés et moi-même apportons notre soutien à vous et à l'empereur. Nous allons massacrer ce commando et libérer les nôtres. Très bien, si c'est comme ça. Pardon, désolé de vous interrompre. Vous comptez pas nous massacrer, quand même? Non, non, du tout. Mes frères, nous sommes libérés non seulement de nos cellules, mais aussi de l'autorité de Dark Ekage. Nous n'interviendrons pas quand vous affronterez Dark Ekage, Excellence. Vous serez convoqués. Soyez prêts à servir l'Empereur. Nous répondrons à l'appel. Puisse votre rage déferler quand vous affronterez la maîtresse. Et c'est Tilt. Je me suis occupé des assassins de Dark Ekage. Vous avez fait le nécessaire de votre côté? Eh bien, oui et non. J'ai trouvé un accès à la base prison, mais ça n'a pas été facile. Et malheureusement, le chemin s'est effondré derrière moi. Nous avons de malchance. Vous allez devoir trouver une route différente pour atteindre ce niveau. Vous ne servez à rien, en fait. N'oubliez quand même pas que vous avez besoin de moi. Je vous envoie les coordonnées du point de rendez-vous. C'est tout près de la cellule de Dark Ekage. Bonne chance, Sith. J'espère que vous réussirez. Je n'y arriverai pas tout seul. Excellence, vous voilà libéré. Colère, furie, vengeance. J'ai somnolé trop longtemps. J'ai besoin de me défouler. Si mon frère m'avait envoyé quelqu'un d'autre, je l'aurais pulvérisé pour m'entraîner. Pourquoi Baras a-t-il mis aussi longtemps à découvrir Belsavis? Il perd ses moyens. Baras s'est hissé jusqu'au Conseil Noir. Et avec votre aide, il sera bientôt nommé voix de l'Empereur. Ça m'étonnerait que ça arrive. Mélicoste, incapable, on vous a suivi. Combattez cet indésirable et prouvez-moi votre valeur. Tuez-le tout de suite, il vous ralentirait. Autant nous affronter sans gêne extérieure. Qui que vous soyez, vous avez raison. Je dirai à votre maître, mon frère, la future voix de l'Empereur, que vous êtes mort comme un chien. Vous n'aurez pas l'occasion de délivrer ce message. Mais à qui ai-je l'honneur? Il est avec moi, Ekage. La petite souillure au service de Nomenkar. C'est de mieux en mieux. Si vous êtes avec ce Jedi, vous êtes un idiot. Je suis la furie de l'Empereur. Il m'envoie en personne, car il vous considère comme ses ennemis, vous et votre frère. Alors la main de l'Empereur travaille aux côtés des Jedi à présent? Pas étonnant que mon frère s'oppose à l'Empereur. J'ai éliminé un seigneur Sith d'un simple geste de la main. Ouvrez grand les yeux. Je vais recommencer. Nous nous battons ensemble, Sith.
Ma force aurait-elle fini par m'abandonner entre ces quatre murs? Je suis plus puissant que vous. Vous faites mine de l'ignorer, mais votre cœur sait la vérité. Je n'ai jamais compris le plaisir qu'ont les vôtres à remuer le couteau dans la plaie. Avant que vous ne fassiez la moindre fantaisie, cher ami, laissez-moi remettre Dark et Cage dans sa cellule. J'ai une meilleure idée. Barras viendra me venger. Elle était vaincue, soumise. Vous n'auriez pas dû la tuer comme ça. On aurait pu l'enfermer à nouveau. Encore des bêtises de Jedi. Je traite mes ennemis comme je veux. Alors vous ne valez pas mieux que Dark Barras. J'espère que vous réalisez que pour affronter votre ancien maître, vous devrez emprunter une voie différente. La furie monte. Dark et Cage ne rejoindra pas son frère. Oui. Maintenant que la sœur de Barras a été réduite au silence, notre ennemi s'énerve. Mais il y a d'autres plans qu'il faut déjouer. Dark Voron est le principal membre du Conseil Noir à s'opposer à ce que Barras soit nommé voix de l'Empereur. Voron dirige la bataille pour Corellia, et Barras sape ses efforts en secret. Il espère orchestrer l'échec de Voron. Barras est prêt à courir le risque de perdre Corellia ? Ses objectifs personnels dépassent la guerre. La balance penche du côté de Voron. L'unité des membres du Conseil opposé à Barras repose sur les épaules de Voron. On ne peut pas laisser Barras affaiblir la campagne de Corellia. Le bataillon Armageddon de l'Empire devait être envoyé sur Corellia. Mais Barras l'a dirigé sur Hoth, où sa puissance ne sert à rien. Il est sous les ordres du général Grist. Il faut le convaincre d'oublier les ordres de Barras et de conduire le bataillon Armageddon sur Corellia. Je suppose que je vais devoir ressortir mon équipement d'hiver. J'ai servi quelque temps sous les ordres du général Grist, Excellence. C'est un vrai dur, un entêté. On ne peut accepter aucune résistance. Le bataillon Armageddon doit être réaffecté. S'il le faut, employez les grands moyens. Génial! Retour dans le froid glacial. Hoth est une planète très vaste, Excellence. Le commandant Slint est l'homme de Barras sur place. Il saura où se trouve le bataillon Armageddon. Ah oui, excellente idée, maître. Bien sûr, Barras est plutôt dur avec ses sous-fifres. En supposant que Slint n'a pas été congédié, c'est notre meilleure piste. Il est temps d'aller rendre visite à un vieil ami.